C'est une chance pour nous. Donc, nous comptons beaucoup sur vos discussions. Permettez-moi de dévoiler un petit secret. Pour les travaux, j'avais quelques groupes de jeunes qui ont tout fait pour moi. Et je ne vous le cache pas, parfois je me cache, mais ils me retrouvent. Donc, nous remercions d'abord l'Ageroute de Ziguinchor qui nous a prêté des équipements pour venir traiter tranquille notre quartier de cœur. Le chef des responsables de l'Ageroute qui s'occupe des pistes nous a mis en contact avec certaines autorités pour que nous puissions faire ce travail-là. Donc, je remercie ces jeunes. Ils sont nombreux, je ne peux pas citer tout le monde. Ce que je peux vous dire, je ne veux pas être long. Votre travail est immense. Djouloulung compte sur vous. Au nom de mes 4 communes, nous comptons sur vous pour que vous puissiez nous donner certaines idées pour le développement. Je remercie les autorités catholiques, surtout notre curé de Djouloulung et ses responsables. Nous avons communiqué ensemble, nous avons travaillé ensemble. Malgré les moyens très limités, nous avons écouté tout le monde pour que nous puissions aller de l'avant. Mais comme c'est une rencontre, c'est une réunion, je vous dis que nous, à Djouloulung, nous avons 2 grands-mères qui ont tout fait pour notre commune. Virginie Ndiaye, elle a tout fait pour la commune de Djouloulung. Elle a tout fait pour l'église de Djouloulung. Elle a tout fait pour nous, les petits-fils. Le deuxième personnage, c'est Madame Sadio. Elle habite pas loin d'ici. Celle-là nous a éduqués. Celle-là nous a formés. Elle nous a même appris parfois de revenir à Djouloulung de temps en temps pour qu'on puisse s'imprégner de nos cultures. Donc vous voyez que nous avons 2 personnalités femmes. Il y en a d'autres, mais ce sont les 2 qui nous ont impressionnés, qui nous ont formés, qui nous ont donné des conseils. Donc, je crois que Virginie Ndiaye, Madame Sadio, ce sont nos grands-mères, elles sont tout pour nous. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, nos vieilles dames, elles sont là, elles sont gravées dans nos cerveaux. Donc, je vous souhaite une bonne rencontre, une bonne réunion, et que nous aimerions obtenir vos conclusions pour que nous puissions parfois nous adapter, nous collectivités locales, pour que nous puissions aller de l'avant et en conformité avec la population. Donc je remercie toutes les autorités religieuses, administratives et tout le monde. Au nom de la jeunesse de ma commune, nous vous remercions aussi parce qu'elle s'est donné les forces pour pouvoir me soutenir pour qu'on puisse arriver à certaines réalisations. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas être long. Je vous remercie beaucoup. Monsieur les responsables, Djouloulung est dans vos mains. Comme disent certains, vous avez les clés de Djouloulung pour mener vos travaux et nous comptons beaucoup sur vous pour vos futures réunions. Merci beaucoup et je vous remercie au nom des maires.